Bonjour à tous. Le livre des psaumes, c'est le livre parfois de la plainte. Nous en avons de nombreux qui expriment des cœurs brisés, des cœurs abîmés, des cœurs interpellants, des cœurs souffrants. Et c'est ce qui donne aussi de la beauté à ces psaumes, parce qu'il ne s'agit pas là d'une vie idyllique, mais de la vie réelle, confrontée aux difficultés et aux problèmes des hommes de leur temps, et qui sont bien souvent aussi les problèmes auxquels nous devons nous confronter nous-mêmes. Alors voilà un de ces cris poussés par le psalmiste ici, David, au psaume 5, versets 2 et 3. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon Dieu et mon roi. C'est à toi que j'adresse ma prière. Alors, plusieurs choses là-dedans. Tout d'abord, il est malheureux, il n'est pas bien, il gémit, il a un cri d'appel. Et cela, il le tourne vers Dieu qu'il appelle mon roi et mon Dieu. Voilà une proximité, quelqu'un qui peut le comprendre, et il lui dit très clairement, c'est à toi que j'adresse ma prière. Bien sûr, on peut s'adresser à des hommes, à des femmes, des personnes qui peuvent nous parler directement et nous encourager, mais nous savons que nous sommes tous des gens limités dans notre terre, parce que nous avons tous chacun nos propres difficultés auxquelles nous n'arrivons pas forcément à trouver de solution. En revanche, Dieu, mon roi, sois attentif à mon cri d'appel, parce que c'est à toi que j'adresse ma prière. Au-delà des réconforts que nous pouvons avoir avec nos êtres humains qui nous entourent, il y a une personne vers qui nous pouvons nous tourner et qui est prêt à entendre toutes nos prières, c'est notre Dieu, qui est appelé ici aussi notre roi, celui qui domine sur nous d'une domination bienveillante, d'une domination encourageante. Alors n'hésitons pas à nous tourner vers lui, pour lui dire, Seigneur, comprends mon gémissement. Oui, lui peut le comprendre.